intéressant cette ferment, bénissant pour l'Église de Jésus-Christ. Et mardi prochain, Dieu voulant, nous aurons l'étude biblique de l'Église. Jeudi, nous aurons le grand culte de prière, célébrant le 55e anniversaire de la chorale de Maïsou Abraham. Et je rappelle que cette offrande sera consacrée à la chorale. Donc, je vous demande d'apporter vos dons pour supporter la chorale. Et comme je vous dis, la chorale, l'orchestre, Nova Orchestra animera ce culte qui sera prêché par le pasteur Joseph Guerrier. Je rappelle aussi à 4h, ce jeudi, nous aurons la classe d'instruction pour les croyants au baptême en été. Et puis dimanche prochain, Dieu voulant, nous aurons à 6h le premier culte célébrant la journée des mamans et à 2h le second culte célébrant encore la journée des mamans. Et dans l'après-midi, on aura des activités célébrant encore la journée des mamans. Mais entre les deux cultes, nous aurons le service de l'école du dimanche. Et ce même dimanche, nous aurons aussi l'occasion d'avoir la fête de moisson dans notre congrégation de Bel Air. Et je serai, après la prédication du premier culte, je serai dans la congrégation de Saint-Laurent. Nous vous rappelons que aujourd'hui, si vous avez un problème d'urgence en santé, c'est le docteur Lindor Saint-Jean et l'infirmière Amiane Buissin qui sont de service. Le collège Rodemarck, qui a comme sponsor officiel la Caisse populaire Côte de l'Âme, rappelle que les inscriptions, on reçoit les inscriptions pour l'année académique 2014-2015 entre 8h et 2h du lundi jusqu'au vendredi de chaque jour. L'Université chrétienne du Nord d'Haïti, le rectorat de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti a l'honneur d'inviter la première église baptiste de Port-au-Prince à la cérémonie de collation des diplômes qui aura lieu le vendredi 30 mai 2014 à 9h du matin à l'amphithéâtre de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti au Lévé. Je rappelle à nos frères et sœurs qui ont l'habitude de nous aider, nous aurons à faire une visite pastorale mardi 27 jusqu'au jeudi 29 à la congrégation de Madriol, qui est très loin dans le sud-est. Donc, si le Seigneur vous permet, eh bien, prenez donc les dispositions nécessaires pour nous aider à avoir quelques articles pour la visite de cette assemblée. Parce que, en général, on va aller dans l'assemblée Sayo, c'est un coup où on a le papa qui voit la caille. Donc, en général, pour son côté, bon pour petit. Le comité de l'association des dames d'Orthanes de la première église baptiste de Port-au-Prince a réussi à le précédent de Jésus-Christ, notre Sauveur, et vous invite les membres actifs et donneurs de l'association à une rencontre prévue pour ce mardi 20 mai 2014 à 1h de l'après-midi. C'est signé de Sœur Régine Haddad. Le Bon Samaritain et le Fonds d'assistance sociale de la première église baptiste de Port-au-Prince saluent l'église et rappellent aux frères et sœurs de continuer à contribuer pour l'œuvre du Seigneur, car le Seigneur vous bénira lui-même autant qu'on vénable.
Je voudrais maintenant quelques annonces de Christ. Nous vous rappelons l'entrée dans l'éternité de ces six vaccins, monitrices de l'école du dimanche, membre de l'association des gagnants d'âmes. Les funérailles nous seront annoncées ultérieurement. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort de ce général Jean-Philippe, devenu à Port-au-Prince le 6 mai 2014 à l'âge de 54 ans. Les funérailles de la regrettée général Jean-Philippe auront lieu à la première église de Port-au-Prince ce vendredi 23 mai 2014 à 7h30 du matin. Et le cadavre sera exposé dès 6h30. Voilà, des fins d'été membres. Persévérant dans la congrégation de Fort Saint-Clair. Ce sont là les annonces provisoires de l'Église, mes frères et mes sœurs en Christ, mais la dent définitive, ce que Jésus deviendra. Et comme tel, nous devons travailler, surtout en ce jour, faire en sorte que Jésus-Christ soit notre drapeau, que c'est son drapeau qui flotte sur nous, pour nous garder, pour nous protéger et pour nous conduire dans l'exécution de sa volonté. Nous allons écouter la parole du Seigneur qui sera prononcée par le pasteur Ronald Beaufils. Et c'est pourquoi je vous invite à chanter. À élever vos cœurs en haut dans les versets du cantique inscrit au numéro 309. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre et forte. Répondant d'un divin appel, avec reconnaissance et vers le séjour éternel, marchons en assurance. Seigneur Jésus, j'espère en toi. La porte est ouverte pour moi. Pour moi, est ouverte pour moi. Je vous invite à vous lever et vous chanter allègrement. Les trois versets, quatre versets de ce cantique sont au numéro 309 de la voix que j'ai chanté sur la section 16, correspondant au 68 sur la terre de la foi. Yeah.
Pour le sujet de notre message. Mes frères et mes sœurs,